On est en train de vider le rayon pour les jus d'orange importés d'Israël. À tous ceux qui vendent des produits israéliens, voici ce qui vous attend. N'achetez pas ces produits-là, c'est importé d'Israël, synonyme de guerre, de massacre. Aujourd'hui, un groupe d'individus et d'associations se sont réunis ici pour protester contre la présence de ces produits qui sont ici dans ces caddies, ces produits qui sont estampillés, fabriqués en Israël. Alors que ces produits ont été fabriqués et ont été cultivés sur les terres volées aux Palestiniens avec de l'eau détournée par les Israéliens, de l'eau qui appartient aux Palestiniens. Aujourd'hui, ce sont ces produits volés à un peuple qu'on retrouve dans les rayons de Carrefour. Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Donc voilà, aujourd'hui, un groupe d'associations, un groupe d'individus s'est rendu dans le supermarché Carrefour à Drancy, dans le cadre justement de la campagne boycott des investissements en sanctions, suite à différentes initiatives qui ont été prises par d'autres ces dernières semaines. On est rentré à l'intérieur du magasin, on a récupéré l'ensemble des produits estampillés Israël, mais qui en réalité, comme beaucoup le savent, sont des produits qui sont issus d'un vol et d'un hold-up effectué par Israël dans les territoires palestiniens. Ces produits qui sont cultivés sur des terres confisquées et volées aux Palestiniens, avec de l'eau détournée par les Israéliens et donc volée par les Palestiniens, qui se trouvent aujourd'hui dans les rayons Carrefour estampillés Made in Israël. Il faut savoir que, un, ces produits sont volés aux Palestiniens, mais deuxièmement, le fait de les acheter permet à Israël de continuer cette politique d'annexion des territoires, et le fait même de donner son argent personnel pour acheter ce type de produits continue à renforcer l'état d'apartheid sur le terrain, continue à conforter l'état d'Israël dans son sentiment d'impunité dans le cadre des crimes de guerre qui se poursuivent, notamment on l'a vu à Gaza, avec 1500 morts, dont 600 femmes et enfants. Nous revenons du bureau du directeur du Carrefour de Drancy. Pour être très clair, donc nous lui avons expliqué qu'aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer la vente des produits israéliens dans les produits dans les centres commerciaux Carrefour, pour dénoncer cette vente-là qui permet à Israël d'engendrer des taxes et qui permet à Israël d'engendrer de l'argent, qui permet encore plus l'occupation des territoires israélo-palestiniens. Aujourd'hui, la réponse est claire de la part de Carrefour. Les activités commerciales n'ont rien à voir avec la politique. Les actions de ce type, aujourd'hui pour Carrefour, les gênent très clairement. On appelle tous ceux aujourd'hui qui en ont marre d'être juste témoins de ce qui se passe et des crimes de guerre commis par Israël en toute impunité, d'agir de manière citoyenne et que ce type d'action se multiplie. Aujourd'hui, on a été reçu par le directeur de Carrefour Drancy. Demain, nous serons reçus par la direction de Carrefour France qui a entendu parler de toutes ces actions et ça commence sérieusement à les déranger au plus haut point. Donc on appelle tout le monde à multiplier toutes les semaines ce type d'action. On a...